Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt intéressant. De temps en temps, je reçois des messages, enfin, c'est pas de temps en temps, c'est assez régulièrement même, hein. C'est peut-être une fois toutes les deux semaines. Et c'est des messages que je reçois aussi bien de la part d'hommes que de femmes. Et en gros, on me dit dans ces messages, Nassim, j'ai fait une bêtise hier soir, j'ai craqué, j'ai mangé un petit peu plus que ce que j'aurais dû manger, j'ai fait un petit cheat meal entre guillemets, j'ai pas réussi à m'arrêter, et aujourd'hui, j'ai décidé de compenser en faisant une heure de cardio. Est-ce que c'est une bonne idée? Et justement, on me demande, est-ce que c'est une bonne idée? C'est-à-dire que ces personnes espèrent pouvoir rattraper, entre guillemets, le cheat meal qu'ils ont fait la veille avec un excès de sport. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que vraiment, après un cheat meal, votre corps peut prendre du gras? Et est-ce que vous pouvez perdre ce gras avec une séance de sport un petit peu plus longue le lendemain? Et c'est une excellente question, en fin de compte. Une question que moi-même, je me posais il y a quelques années. Et moi-même, j'avais tendance à compenser un cheat meal par un excès de sport ou un excès de cardio dans l'espoir de limiter la casse. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Est-ce qu'on peut vraiment prendre du gras après avoir fait un cheat meal, après avoir mangé une pizza ou un fast-food? Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos déjà, le but de votre organisme, c'est la survie. Et pour survivre, il doit répondre à une notion d'équilibre. Et ça veut dire que quand vous faites un excédent calorique, ou un déficit calorique d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, trop important, votre organisme va compenser en adaptant son métabolisme de base pour que justement la différence calorique soit la plus faible possible. Et de la même façon que vous ne pouvez pas prendre du gras après avoir fait un cheat meal, vous ne pouvez pas perdre du gras non plus après avoir jeûné une journée par exemple. Effectivement, le poids sur la balance va sûrement bouger, mais ça ne veut pas dire que vous avez pris du gras dans le cadre d'un cheat meal et que vous avez perdu du gras dans le cadre d'un jeûne d'une journée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je vous ai trouvé deux études super intéressantes sur le sujet. Évidemment, la référence est dans la description. Et on va surtout se pencher sur la première étude. Et dans cette première étude, on a demandé à un groupe, on a imposé à un groupe de consommer 1500 calories de plus que leur niveau de maintien pendant 3 jours de suite. C'est-à-dire que, je prends un exemple, hein, leur niveau de maintien était 2000 calories, on leur a imposé 3500 calories pendant 3 jours de suite. On a pris leur poids et leur taux de masse grasse avant l'expérimentation, pardon, et on a pris leur poids et leur taux de masse grasse après l'expérimentation. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'avait pris du gras. Il y a même une personne qui en a perdu. Ça vous montre bien à quel point votre organisme peut s'adapter, peut compenser dans des situations extrêmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette étude? Faut pas en retenir qu'il faut faire des cheat meals 3 jours de suite, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut adopter une attitude plus modérée et un cheat meal de temps en temps, si vous avez un taux de masse grasse qui n'est pas trop haut, ça n'aura aucune incidence. Ça peut peut-être vous faire du bien psychologiquement, ça peut peut-être vous faire du bien physiologiquement, mais disons que vous n'avez pas de quoi culpabiliser et surtout vous n'avez pas de quoi compenser le jour d'après par 2 heures de cardio. Parce que d'une, ça ne suffira pas à provoquer un déficit et puis de toute façon, ça peut vous faire entrer dans une spirale qui peut s'apparenter à un déséquilibre, entre guillemets, hein, parce que manger pour compenser juste après, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. En résumé, les amis, vous avez craqué sur une part de gâteau au chocolat, vous êtes sorti au resto avec des amis alors que ça n'était pas prévu. Si jamais ça n'arrive pas trop souvent et si votre taux de masse grasse n'est pas trop haut, pas la peine de culpabiliser, votre organisme s'occupe de tout. Alors dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, postez vos questions dans les commentaires, on peut peut-être en discuter. Continuez à vous abonner, continuez à partager et on se retrouve très vite.